Ça filme. C'est pas Pink. C'est pas Pink. Réveille-toi, réveille-toi. Ah, quoi, qu'est-ce que j'ai entendu des bruits. Mais oui, c'est trop flippant là. 3h du matin là. Bah oui, justement. Il se passe toujours plein de trucs bizarres à 3h du matin. Qu'est-ce qu'elle a fait la sorcière encore? Ah non, mais c'est pas la sorcière. Je pense pas que ce soit elle. Hein. C'est pas la sorcière. En fait, on était dans notre chambre tranquille, on était en train de dormir. Là, on s'est rhabillé direct parce qu'on a entendu comme des chuchotements. Encore? Ah oui, non, mais c'était effrayant là. Très effrayant. Et justement, j'ai. Quoi comme chuchotement? Ah non, mais des chuchotements de. Et en plus, hier j'ai lu une légende sur internet qui disait que dans la ville où on est là actuellement, et bah à 3h du matain, des fois ils entendent des bruits quand ils disent certains mots. Ouais, et des bruits exactement comme on a entendu. Bah, alors je sais pas si la légende. Bah. En fait, il fallait dire devant un miroir es-tu là, esprit de. Avec le nom de la ville, machin, tu vois. Donc je vais pas dire le nom de la ville. Mais en fait, ouais, c'était ça. Et on l'a fait. Et pile à 3h du matin, il y a eu des bruits, plein de bruits. Mais aussi, et la sorcière alors Ah, oui, en plus, c'est la journée de la sorcière. Donc à mon avis, c'est encore plus en gris. Il y a une lumière qui s'est éteinte là. C'est quoi ça? C'est ça fait comme dans notre chambre. Attends, c'est abusé ça. Attends, les amis, je vais allumer mon flash. Non, mais les lumières. Non, une deuxième. Non, mais ça fait comme dans notre chambre. Pile à 3h du matin, il y a plein de lumières qui se sont éteintes. Elles en bas. Et c'est l'électricité. Allez en bas. Les roses, viens avec moi. J'espère. Okay. Je sais même suivre avec toi. Les chuchotements. On les entend encore. Chut. Vas-y vite, descends. Descendez. Oh, j'espère que ça va bien se passer. Non. Attends. Pourquoi il y a... Attends, ici encore une lumière qui fond. Ah, mais elle vient de sauter. Comment ça se fait? Mais c'est pas possible. Attendez. Prenez une des bougies. On va s'éclairer à la bougie. Okay. Ça peut pas s'éteindre. Vas-y. Il y a que Peppa Pink et moi qui en prenons. Toi, t'es trop jeune pour avoir ça. Allez, allume-toi. C'est pas possible, elles sont possédées mais ou quoi? Mais laisse-moi faire, Steven. Allez, allumez-vous. Voilà. Oh, c'est n'importe quoi. C'est pas grave. Je vais prendre celle-là. Non, mais c'est incroyable, ça. Ça veut pas... Bon, tant pis. T'es trop petit pour être éclairé. Voilà, regarde. Bon, allez, c'est pas grave. Voilà. Allez. Bon. Votre part. Qu'est-ce qu'on fait? On fouille la maison ou pas? Bah ouais, mais avec des bougies, c'est compliqué quand même. Ah, mais c'est pas grave. Au moins, ça, on est sûr que ça va pas s'éteindre tout seul à cause d'un fantôme. Peut-être entendre du bruit encore. Eh oh! Y a sorcière! Hey. Non mais appelle pas la sorcière, elle a rien à voir là-dedans! Oui mais c'est quand même ce qui se passe. Eh oh! Y a quelqu'un? C'est quoi ça? Ah mais c'est pas possible! Bon, y a personne. Là je vois rien du tout. Oh non! Dans le jardin. J'ai senti comme un souffle! Et ma bougie s'est éteinte! C'est pas possible! Attends. Ça y est, maintenant on a plus qu'une seule bougie. Je vais utiliser le flash de mon téléphone. Vas-y. Peut-être que ça c'est assez fiable. Bon, soit il y a quelqu'un qui nous joue un tour à l'extérieur, soit c'est que vraiment cette maison est hantée. Mais non, faut mais partir. À l'extérieur, comment tu veux que ce soit à l'extérieur? Bah, j'en sais rien, ça tombe, il y a quelqu'un qui chuchote de. La porte. Elle est fermée à clé. Je suis sûr de l'avoir fermée à clé. Bah oui, moi aussi. J'ai vérifié. Viens, on va dehors. Il y a quelqu'un? Oui. Au moins, les lumières de la rue sont allumées. Il y a quelqu'un? Je garde ma bougie allumée. Mais oh! Je vois personne. À la personne, il faudrait qu'elle chuchote ici pour qu'on l'entende de notre chambre. Eh oh! La lumière, elle s'est rallumée! Non! Mon téléphone vient de s'éteindre tout seul. Elle vient de s'éteindre. Elle se rallume! Elle s'éteint! Ça clignote. On le verra pas. Oh là là là, attends, c'est bizarre. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, ça. Mais là, on dort dans la voiture, attends, là, moi je dors pas là. Je vais vérifier s'il y a personne ici. Attends. Venez, venez. Au pire, on dort encore une fois dans la voiture. Ouais, bah non, ça, c'est non, une je bonne dors idée. Pas dans la voiture. Bah, si. Ah bah attends, j'essaie. On va regarder. Non, mais il y a vraiment personne. Ça peut pas être les vaches en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est fermé. Bon, tant pis. On va essayer de remonter aux étages. Et on va essayer de remonter aux étages. Et on va voir s'il y a des problèmes. C'est la pleine lune. Allez, en plus. Venez. Ah ouais. Venez. C'est la pleine lune et c'est là. Oui, mais c'est la. Ah ouais, c'est la pleine lune. Punaise. Ça tombe, ça a un rapport avec ça. Mais justement, dans la. C'est que le sort de dans la légende de la ville, j'avais vu ça justement. Que ça marchait, mieux les soirs de pleine lune. Parce qu'on a dit trois. On a dit la prophétie trois fois dans le miroir. On a 3h du matin, franchement. Allez, vite. J'espère que mon téléphone va pas s'éteindre. Et pour annuler la prophétie. Éteins ta bougie, ça sert plus à rien. Et pour annuler la prophétie, alors comment? Bah, je sais pas, moi j'ai pas lu. La porte. Bon, c'est bon, on la ferme. On retient qu'on la ferme. J'ai l'impression qu'elle a été claquée. Allez, vite, venez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Vite, les roses. Reste à côté de moi, les gars. Non, ça va aller. Attends, je rêve ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Attendez, montez. Mais la porte s'est ouverte encore une fois toute seule. C'est pas possible. Cette porte, je viens la fermer à clé. Oh, il se passe vraiment des choses étranges dans cette maison. Je sais pas si c'était une bonne idée d'y rester. Bon, j'arrive. C'est pas possible. Encore une fois, ce bruit. Lily-Rose, on retourne dans notre chambre. C'est là qu'il s'est passé le plus de choses. Viens. Bah, t'as fermé à clé ? Bah non, Esteban, toutes les portes sont ouvertes, tout c'est bien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est fermé, là. De quoi c'est fermé ? Mais c'est fermé à clé. Attends, chut. Ça vient de là. Vite, on va dans la chambre. C'est dans le murmure. Le murmure est dans cette chambre. Viens. Elle est fermée à clé, attends. J'espère que c'est pas un prank de la sorcière, ça. Ah, c'est bon, la lumière. La lumière est revenue ici. Tout est revenu. En même temps, elle clignote, hein. Ah non, mais comment je vais faire, là ? Je sais pas. Bon, j'espère que... Je sais pas, il est 3h du matin. J'espère que c'est une mauvaise blague de gens qui habitent dans la ville. Bon, bah écoute, je vais dormir parce que là, j'en ai marre. Ouais, on dort tous ici. Je vais fermer la porte. Hé, hey, regarde. Celle du couloir vient de se rallumer. Ah bah, ça clignote, tant pis. Ça clignotera toute la nuit. Bon. Vivement demain matin. Ça revient. Ah ouais, vivement demain matin. Là. Vivement 4h du matin. Ouais, vivement 4h du matin. Normalement, c'est censé s'arrêter à 4h. Mais il est que 3h12. Oh. Non, il faudra résoudre. Faudra que tu me montres cette légende, Esteban. Ouais, t'inquiète. On va tous dormir ensemble. Ouais. Moi, ouais, ça me fait un peu peur. Toi, tu peux dormir là, t'inquiète pas. Non, moi, j'ai trop peur. Oh. Je dors à côté de toi, Esteban. Allez. Oula. Et ça vient d'où ? La porte, elle vient de bouger. Moi, je dors pas de ce côté-là. Ah, mais c'est pas possible. Non, moi, je dors ici, moi. Il se passe que des chutes. Elle vient de claquer. Punaise, ça fait peur. Mais non, t'inquiète. Mais ça arrête pas de bouger. On n'est plus à ça près de toute façon. Moi je dors ici sur la chaise et je suis. Peppa Pink. Viens. Viens à côté de moi. Je dois te dire un truc important. Ouais. C'était un prank. Comment ça c'était un prank? C'était un prank, regarde. C'est Jérémy qui a organisé tout ça, regarde. Il est là, regardez-moi ça. Attendez, je vais le filmer. On est là. Regardez. Ouais, il est ici. Ici présent. C'est lui qui a organisé tout. C'est moi tout. Qui vous ai pranké. C'est lui qui a fait les effets spéciaux, des bruitages, c'est lui qui éteint les lumières. Merci la prod en vrai. C'est merci la prod de ce prank. Eh ouais, bah y a, en fait il se passe rien, regarde. Les amis, on espère que vous y avez pas trop cru parce que c'était le best prank, évidemment que tout ça n'existe pas. Oui. N'ayez pas peur chez vous, tout ça c'est du la faux. La pleine lune, c'est une vraie, hein. Par contre, ah ouais, la pleine lune. Là j'ai pas assez de budget pour faire une pleine lune. Donc là c'est une vraie. Donc les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour Jérémy. Et mettre. Oh, mais non. Ah non, c'est moi qui ai encore laissé les autres. À mettre un like pour Jérémy et à commenter si vous aimez bien ce genre de prank. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur une vidéo qui apparaît. À la prochaine, bye bye. Allez, ciao. Ciao les amis.